dit, Alexandra is fast asleep. Il est en train de dormir. Love you. Bienvenue de retour chez Première Dame. Donc moi c'est Adrienne, la star à papa. Pour cette vidéo, on se retrouve pour un quick update après la naissance. Alexandre a maintenant 2 mois, oui. Donc je me suis dit, je reviens vite avec un update parce que ça va faire 2 mois que j'ai accouché et tout. Donc le corps, les bébés, on va parler et tout et tout. Il est trop tard, il est trop tard la nuit. C'est fini. Il est trop tard la date. Il est encore trop tard la nuit. On n'est pas encore endormi parce que Alexandre ne fait pas encore ce nuit en plein 2 mois. Les nuits ne sont pas encore correctement faites. Voilà, c'est fini, chérie. Try to sleep, papa. Voilà, voilà. Voilà, donc 2 mois plus tard, j'ai repris la force. Oh, c'est fini, c'est fini. C'est fini, chérie, fais de dos. Voilà, 2 mois plus tard, j'ai tout repris. J'ai repris la force, le course, j'ai repris ma vie, genre normal et tout, et tout. Tout se passe bien. Donc, ici en Angleterre, c'est que ça se passe. Donc, après 8 semaines, vous allez avoir une lettre pour prendre les vaccins. Les premiers vaccins se font à 8 semaines et puis à 12 semaines. Donc, on a été vaccinés 8 semaines plus tard et 6 semaines d'ailleurs plus tard, on t'appelle pour les check-up. Genre on va te checker, on check ton corps et puis voir si tout va bien, tout est retourné en normal et tout, voilà ce qui se passe. Je vais lui donner un petit lait parce que là, lui, prends ça, je vais te donner tété après. Ah papa, lui il tète trop vu que c'est un garçon. Moi je donne beaucoup les laits maternels aux enfants, c'est pourquoi mes enfants sont vraiment non average, ils sont un peu gros, élancés, longs et tout, pas parce que, voilà, I breastfeed a lot, je leur donne des laits maternels beaucoup, donc depuis le premier jusqu'à Alexandre et tout, en gros, 2 mois update, c'est que je voulais dire, on a pris nos vaccins, on m'a checké le corps et pour voir si tout va bien et tout et tout. Et tout va bien en tout cas. Et après 2 mois, c'est que nous avons avec Alexandre, he's laughing a lot. On a beaucoup de sourires. Si je trouvais une photo, je vais mettre ça. Il est en train de sourire. Il est devenu trop maquillé. Il est devenu very loud. Il parle trop. Il rigole avec ses frères. Il commence maintenant à reconnaître les gens et même... Pour dormir, le dodo n'est pas encore là. Il ne fait pas toutes ses nuits. Il peut dormir genre 3 heures du temps. Il se réveille pour téter. Il dort encore, il se réveille. Et moi, je donne vraiment beaucoup. J'allaite trop la nuit en fait parce que je ne vais pas courir pour faire les biberons et tout et tout. Il ne fait pas encore plus de 5 heures endormi. C'est pourquoi je les garde toujours à côté de moi. Il n'est pas encore dans son berceau. Voilà. Il est juste à côté de moi. Et voilà. Donc, beaucoup de sourires. Il devient trop vraiment maquillé. Et même pleurer commence à changer. Vous voyez, un bébé des 3 jours, 5 jours, une semaine, il pleure. Genre, maintenant, lui, lorsqu'il pleure, tu sens vraiment que bébé, il est en train de pleurer. Et tout. Alexandre, fais doudou. Fidoudou. We're just loving this. Il y a beaucoup de gens qui me demandent sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Adrienne, qu'est-ce que tu as fait pour perdre le poids? J'aimerais vous dire, j'ai pas tout perdu en fait. J'étais enceinte, c'est pourquoi les ventres étaient gros. Et les bébés sortis, c'est normal que les ventres puissent se rétrécir un tout petit peu. Mais j'ai encore le poids, ça prend encore du temps et tout. J'ai pas encore commencé à faire des régimes, quoi que ce soit et tout. Genre boire les apple cider et tout pour perdre du poids rapidement.
parce que l'enfant est encore en train d'allaiter, je vais perdre le poids naturellement en donnant l'enfant le breast milk, ok? Ça aide vraiment à perdre aussi du poids, pour une meilleure perte du poids, moi c'est ce que j'ai fait. Donc je vous conseillerais vraiment, si c'est possible les mamans, d'allaiter vos garçons, d'allaiter, surtout les garçons, ils aiment ça, ils allaitent trop, alright? Et aussi ce qui m'aide beaucoup, comme je vous avais dit avant, c'est de boire les thés rouges, ça t'aide pour essayer de supply your milk. Voilà, là il est en train de s'endormir un tout petit peu. Ça aide vraiment pour produire beaucoup de lait, les thés rouges, ça va t'aider maman, les thés. Alexander is fast asleep, il est en train de dormir. Love you. Voilà, lorsqu'il va dormir, je vais enlever les maquillages, je vais me laver et puis il va se réveiller, je vais le laver. Mais en général, lorsqu'il va faire 3 mois, c'est en ce moment-là que je vais stopper les laver le soir. Parce que moi, je lave beaucoup les bébés, en tout cas le soir, parce que voilà, il dort trop pendant la journée. Je profite de laver les soirs comme ça pour qu'il puisse dormir encore davantage. Mais lorsqu'il va commencer à changer son programme pendant ces 3 mois, c'est en ce moment-là que je commence à laver. Pendant la journée pour que je puisse aussi l'encourager d'être réveillé la journée et puis s'endormir le soir. Je ne savais pas qu'on était nombreuses dans cette communauté. Les gens qui me suivent vraiment, vous étiez aussi nombreuses enceintes au même moment que moi. Il y a des femmes qui m'écrivent aux réseaux sociaux. Oh, moi aussi mon fils a autant, moi aussi. Ça me fait juste absolument vraiment du bien. J'aimerais aussi dire, parce que beaucoup de gens me demandent, Adrienne, quelle lotion tu avais pris et tu avais mis lorsque tu étais enceinte? Qu'est-ce que tu avais mangé lorsque tu étais enceinte pour que l'enfant puisse être plus clair et tout et tout? Ça me fait rire. Moi, toutes les personnes de ma famille sont trop claires. Sauf que moi, j'avais pris les temps de mon papa, ok? Je suis un peu choco comme papa était choco. Mais toute ma famille, c'est tout le monde qui a les temps clairs. Mon mari est clair. Du genre sa famille, c'est tout le monde qui a les temps clairs. Et évidemment, mes enfants, ils sont clairs. C'est pas que j'ai bu quelque chose déjà, mais par rapport à son lait, j'utilise toujours un lait spécial pour les bébés. Là, je vais vous faire une vidéo séparée. Si vous êtes intéressé, ok, il faut me dire juste en commentaire par rapport au lait de beauté et tout, mais genre que qu'est-ce que, ah, j'ai vu de commentaire, qu'est-ce que tu avais mangé? Non, je n'ai rien du tout mangé, c'est sauf que son papa est trop clair, Evariste, il est un beau gars, Natumbolake, mon ancien beau gars, malgré l'âge, il est toujours beau, hein, don't get me wrong, il est les plus beau de sa génération, voilà, et ses enfants, ils sont si beaux, donc, par rapport déjà au temps, papa en Bangaza Pembe et mon premier fils, il a mon temps et I just love it. Un peu de mix, un petit chocolat à la maison, un petit mundele, un petit. Tu vois ce que j'ai dit? Je n'avais pas mangé quelque chose extra et tout. Toute ma famille, Bazala Pembe. C'est seulement Adrienne qui était sortie choco. Voilà. Donc ça en tout cas. Et nos 2 mois, ça se passe bien. Bientôt, les cours vont reprendre. Bientôt, je vais commencer à me réveiller et tout. Mais à 2 mois, vraiment, il n'y a rien de grave. L'enfant, il est en train de mettre le poids. Il est en train de prendre le poids normalement. Moi, lorsque je pars dans des kilos, dans des pesées, on me dit seulement, ah, ton enfant is big, is big, is good, doing good. Et puis, en général, un bébé ne perd pas le poids. Un bébé ne fait que gagner le poids. Et puis, on est juste contente qu'on est en train de gagner le poids, même par rapport au pilule aussi, on m'avait demandé, les filles m'ont demandé après 2 mois, qu'est-ce que tu fais? Moi, 2 mois, ces activités-là, pour prendre déjà des pilules, I'm off, je ne fais rien du tout, moi j'attends lorsque ça va faire 3 mois, ensuite après ça, je vais commencer à prendre quelque chose, ok? Donc pour les pilules, peut-être au moment pourtant, si vous voulez un peu les updates par mois, il faut juste m'écrire, je vais vous faire des updates pareil. I just love it, les genres de vidéos que moi-même je regarde et pourquoi
pas ne pas partager ça avec vous. Donc là, everything is fine, je suis toujours à la maison. I'm enjoying this life. Nazo c'est pas un life vraiment, parce que moi je suis tout le temps à l'office, travailler et tout, mais maintenant je suis un peu like, ouf, I'm off, not working, maternité, congé de maternité, I'm loving it. C'est pourquoi je vous invite de rester connecté dans la chaîne, parce qu'il y aura du nouveau chaque jour. Waouh, Alexandra, tu as décidé de dormir alors qu'on est en train de faire tes updates. Voilà, en tout cas, il a beaucoup de cheveux et moi j'ai craint qu'il puisse perdre les cheveux ici en pénalico. C'est que je suis en train de le faire dormir avec quelque chose pour protéger ses cheveux. Voilà, anyway, la bonne chose, ne dure pas. Il faut me dire hein, à 2 mois, qu'est-ce que tu es en train de faire et tout, est-ce que ton enfant a pris ses vaccins? How is it going? Même pour les anciennes mamans, venez juste me donner vos expériences, vos conseils. C'est vraiment ce que moi j'aime. Et surtout, j'aime les gens qui regardent les vidéos et puis ils laissent le commentaire, parce que at the end of the day, si vous ne commentez pas, c'est comme si je suis en train de parler juste à la caméra, alors que vous êtes nombreuses qui m'ont regardé. Vous êtes belle, vous êtes là, on va commenter ça, là, bien. Des j'aime, ça fait toujours du bien. I love you. Thank you for being here. Merci d'être là avec moi. Adrienne, la star à papa, je vous aime. Nzambaba Telabino. C'est bonne chose. Bye bye. Enjoy the memory. Oh, that's the love life.